le chef de l'État a poursuivi sa campagne de moralisation. Aujourd'hui, il a visité la province de Mwaro pour la troisième fois. Au cours de cette descente en province de Mwaro qui rentre dans le cadre de la campagne de moralisation de la société burundaise, le chef de l'État a commencé d'abord par la consolidation des enseignements précédents à travers une récapitulation, un rappel des chapitres précédemment abordés avant d'entamer d'autres chapitres. Dans l'ensemble, le chef de l'État a appelé la population de Mwaro à une prise de conscience collective, à une prise de conscience, à une compréhension profonde que le Burundi appartient aux Burundais et que ce sont ces Burundais-là qui doivent se donner corps et âme à son développement. Mais ici, le chef de l'État observe que grâce à cette campagne, les fruits commencent à être cueillis. Il mentionne ici que le Burundi a reconquis sa place dans le Conseil des Nations. Ça, c'est une chose. Le Burundi est un pays respecté dans le Conseil des Nations. Mais qu'en plus de cela, il y a des travaux de développement très visibles. Il parle ici du plan national de développement. Il parle aussi des usines et des industries construites ça et là, mais aussi des actes, des réalisations qu'on doit à des Burundais qui ont compris que désormais la destinée de leur pays est entre leurs mains, qui leur appartient.